emmenez-moi ailleurs, s'il vous plaît. Façon, ils ont écrit hôpital là. Je suis sûr que c'est pour tuer les gens. Mais madame, qu'est-ce qui est arrivé à votre mari? Docteur, il m'a dit de monter sur lui au lit. Monsieur Kouassi, promettez-vous d'être fidèle à votre femme ici présente? Monsieur le maire, est-ce qu'on ne peut pas sauter cette question? Mais je n'ai plus le ballon. Tu me poursuis pourquoi alors? Quand on me dribble comme tu viens de faire, je ne fais plus la différence entre le ballon et le joueur. Je ne suis plus aveugle. Quel miracle! Mais chérie, tu es vraiment une menteuse. Tu m'avais pourtant dit que tu n'allais jamais me tromper. Aïe! C'est toi le seul menteur ici. Mais tu m'avais dit que tu revenais du voyage demain, n'est-ce pas? Voilà, tu n'as pas vu le message que je t'ai envoyé. Tu parles du message où tu disais que tu étais enceinte là. Hein? C'est ça, non? Oui. Non, je n'ai pas vu. Demoiselle, excusez-moi. Oui, qu'est-ce que tu veux? Moi, je n'ai pas le temps, je ne parle pas à n'importe qui en plus. Quoi? Tu veux prendre mon numéro de téléphone? Je ne vais pas te donner, je te préviens en même temps. Mais... Je dis n'insiste pas, je ne vais pas te donner non et non. Vous avez laissé tomber votre téléphone. Ah, ok, merci. Aïe, donc tu le prends plus mon numéro.